Su on brasta. Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Far Cry Primal, chers amis. L'épisode qui fait suite après les problèmes de tour, chers amis, on fait continuer et on se retrouve dans l'aventure à nouveau depuis plus d'un deux mois et demi de mois. Ul udams winja waita waika waija salwa takar palhur winja laja daus. Effectivement, c'est ce que nous devions faire, chers amis. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis en fait un patch HD est sorti pour avoir les textures simplement en HD dans le jeu, et donc du coup, je l'ai installé. Et je n'ai pas moins de fluidité pour autant, donc c'est une très très bonne chose. Est-ce qu'on a gagné des choses d'ailleurs? Quelle genre de récompense? Ah, par contre, faut pas que tu me refasses tout le bordel. Hop. Ok. Ressources pour le village. Ok, parfait. Bon, bah on retrouve le jeu alors tout simplement maintenant. Ok, pour en argile, effectivement. Oui, je me rappelle. Il me rappelle, ça ce sont les points. Donc ça c'est la santé que j'ai, c'est ça non? Oui d'accord, c'est la nourriture. Ok, donc ça d'accord. Donc au niveau des touches, d'accord. Me baisser, c'est où? C'est crotch? D'accord. Ok, là-bas il y a la quête. Alors, j'essaie simplement de me rappeler un petit peu du menu, enfin tout ça. Le menu est ici pour la map. Confection, nous avons peut-être des choses à faire. Ici, on a quoi? Ceinture à gourdin, d'accord. Ici, on a ceinture de couteau de lancer. Ici, on a couteau de pierre amélioration disponible. Vous n'avez pas encore appris comment fonctionner. Couteau de pierre inflige des dégâts aux ennemis. Une fois lancé, les tirs à la tête sont mortels, d'accord. Ok. On verra ça au fur et à mesure, chers amis. D'abord, on va aller voir les différentes personnes. Alors, est-ce qu'on avait d'autres choses à aller voir dans ce menu? Compétences, est-ce qu'on avait des points à mettre? Un point à mettre apparemment. On cherchait quoi? On cherchait quoi? Je ne sais plus. Ici, découverte de ressources, d'accord, ça pourrait être intéressant. Prospection, trouver plus de bois, de pierre, de roseaux, d'argile, de pierre, poussière de pierre. À chaque récolte, ça peut être intéressant aussi. On va commencer par ça. On l'entend très très mal. Alors, faut que je refasse les tests son, chers amis, tout ça, hein. Malheureusement... Ah oui, je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça. Il y avait tout un système bordélique. Donc un instant, chers amis. Je vais voir le son, puis après je vous retrouve. Voilà, re, chers amis. J'ai augmenté légèrement le son. On verra bien si c'est trop, vous me le dites. Si vous n'entendez plus ma voix, vous me le dites. Hop, alors, on avait différentes touches, on avait différentes bêtes. Les bêtes qui n'apparaissent qu'en sortant du village. Je commence à retrouver un petit peu certaines mécaniques du jeu au fur et à mesure. Les plantes apparaissent sur la mini-map, c'est ça. Et apparemment, donc là autour de moi, il y a des choses à faire. Et j'ai des confections possibles. Ok, bon. La map, je l'ai mise là. Nous, ce qui nous intéressait, chers amis, c'est d'aller voir cette jeune femme-là. Grotte Azari, statue, peinture rupestre, marqueur, d'accord. Pourquoi? Parce que dans compétences, cette femme-là, voilà, nous débloque. Vision de chasseur sac. Marquage d'ennemis, ce n'est pas ça, si c'est ça. Concerne les gourdins, d'accord, les marquages sont permanents, voilà, c'était ça. Et un autre chasseur fait désormais fait apparaître les plantes, d'accord, ouais, c'est peut-être pas ça en fait. Réduit les dégâts de chute, marquage d'animaux, blessures animales, d'accord. Confection de flèches, potentiellement c'est elle qui nous donne l'arc à mon avis. Les exécutions, faudra aller voir lui aussi. Le fou, double gourdin, double saguet, d'accord, nutrition avancée, l'effet de recette, nanana. Double bombe à piquant, double piège, double couteau, double appât. D'accord. Donc lui c'est pour la confection rapide. Compétence de confection, de toute façon, oui, voilà. Donc nous on va aller voir la gonzesse. Donc on va re-regarder la map. On va suivre le chemin, donc on pourrait aller jusque là pour se déplacer rapidement. Est-ce qu'on va le faire ou est-ce qu'on retrouve l'ambiance du jeu pour le plaisir?
On va commencer par foutre un marqueur, tout simplement. Jusque là. On va aller là, puis on va la rejoindre ensuite. Attention, lion des cavernes. En face. Ok, ben on y va. Il me semble qu'il y a un sprint illimité. On n'est pas dans le mode... Alors. Au niveau de ma bébête. Il n'y avait pas plutôt une dompteuse de bêtes? Je m'en rappelle plus. Maître des bêtes. Maître du feu, d'accord. Il semblait qu'il y en avait un qui me permettait de donner les supplémentaires, d'accord. Chevaucheur de bêtes, c'était lui. D'accord. À moins que si on veut aller voir celui-là. Un bonhomme qui ressemble à Rambo, donc. Il est là. Ah. Caroche le guerrier. Pour aller le voir, lui. On va aller le voir, lui, je pense. Papillon qui me regarde, d'accord. C'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. Bonjour, toi. Oh, belle bête. Le jeu est quand même magnifique. Hein. Donc, l'arc, la sagaie, le gourdin, parfait. Et donc, je peux donner des ordres toujours avec G. Non, c'est pas ça? Annuler arme de lancer. C'était quoi la touche pour ça? Hop. D'accord, ça oui, bison de chasseur. Menu bête P. Déplacer attaque bête. Bah c'est ça, pourtant c'est bien G. Ah, peut-être pas sur le bon truc que je cherche, hein. Parcourir les armes de G, nanana, 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 attaquer, marche arrière, marche avant. Ah si pourtant. Ok, c'est pas ça la touche. Ah oui c'est ça, oui c'est ça, fallait clic droit et d'abord, oui d'accord. Je me souviens, c'est bon, on y va. Apparemment il y a quelqu'un là-bas. Vas-y, bouffe là. Joli. Dépecé. C'est une dole. On récupère donc de la viande. On peut la nourrir si on veut. Hop. Tiens, vas-y, soigne-toi. On récupérera toujours plus de de matériaux pour pouvoir continuer à faire ce qu'on peut faire au niveau du village. Je me rappelle qu'on pouvait l'upgrader. On va faire ça comme ça. Ramasser ardoise, par exemple. Silex, parfait. On a une roue qui permet de confectionner aussi. Voilà, c'est ça. En l'occurrence, ce qu'il nous faut actuellement, c'est du bois dur. Donc il y en a une blanche, je l'ai vue tout à l'heure. On va essayer d'aller se la faire. Elle est rare. Hop, voilà. Raté. Est-ce qu'on peut récupérer notre flèche au passage? Oui. Voilà, c'est bien. Bonne bête. Dépecé cerf-blanc rare, voilà. Peau de cerf-blanc. Parfait. Bah, vous avez plus peur de moi? Je préfère. Ok. Par contre, on a entendu des cris tout à l'heure. Donc, potentiellement, il y avait des gens. Bon, c'est pas grave. Alors... Là, il y a moyen de monter par là. On va le faire. S'il veut bien. Il semblait qu'il avait moyen de monter. Je me trompe peut-être. Hein. C'est un pote, ça? Oh merde. J'ai pas eu réussi à le sauver. J'ai pas réussi à le sauver. Quelle horreur. Pauvre homme, je suis désolé. Je suis désolé, l'ami. Ok. Bon, il y avait moyen de monter, je pense, hein, mais... Mais j'ai pas trouvé. Je sais pas. Je sais plus. Je sais plus, chers amis. Ah oui, d'accord, utiliser le griffe grappin. Effectivement, c'est ça, le truc. Hop.
Allez, vas-y, monte. Ah oui, c'était cool, ça, c'était très très cool. Oui, oui, c'est bon, ça revient, chers amis, petit à petit. Hop. Allez, ma bestiole qui va se téléporter, normalement. Hop. Hop, les, vas-y. Ok, mise à mort, c'est bon. On le fouille. Et son pote aussi. Ah, on retrouve les mécaniques, chers amis, c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'en entends encore hurler. Il y a moyen de monter là-bas, on va monter. Hop. Allons-y. Nous sommes apparemment une centaine de mètres de lui, hein. On n'est pas très très loin. Hop, d'accord. La facochère. Bon, apparemment, il y a vraiment une quantité de mecs importante par là, hein. On a un pote ici. On a un pote ici. Qui t'arrive, l'ami? Apparemment, ils se font il y a une attaque par là. Mossoul. Oula, fleur rouge. Je prends. Hop. Apparemment, il y a une route ici. Ok. Il y a un ennemi. Hop. Tiens, bouffe. Putain, il y a plein d'ennemis partout. Vas-y. Raté. Il est mort. Tiens, bouffe. Bouffe. Bonne fille. Bonne fille. T'es bien. Il y en a un autre. J'en ai vu un autre loup. J'en ai vu un autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Chercher. Deux ours, d'accord. Bouffe. Allez, vas-y, bouffe-le. Il est là. Hop, on le dépece. Peau de loup. Allié. C'est des alliés, c'est bon. On y va, on continue. Donc il est dans la montagne apparemment. Ah non, on est à 1000 mètres, 1100 mètres et quelques. Ok, on est assez loin en fait. Bon, on est là, il y a effectivement les montagnes entre deux. D'accord. On va essayer de descendre par là. Ok. C'est détaché, c'est bon. Grappin. J'ai pas vu d'ours. Ok. Apparemment, je suis à bout de corde. Hein. Ok. L'endroit est particulier. Il y a des loups. Mon jag est ici.
L'endroit est très particulier. Map. On va peut-être aller ici d'abord. Aider nos copains. Ok, il n'y a personne. Je pense que c'est clairement un endroit particulier pour les gens. Voilà. T'étais déjà là pourtant. Pourquoi il me le réclame le jeu? C'est stupide. Bon, c'est pas grave. Apparemment, il y a des gens à aider par là. Et des ours aussi dans le coin. Ce qui ne m'étonne qu'à moitié, à vrai dire. Qui ne m'étonne qu'à moitié. Alors c'est quoi qu'il faut faire ici? J'ai pas lu, enfin j'ai lu tout à l'heure. Aider les Wenja, escorte. Escorter un groupe de mollusques qui sont en sécurité. Oh, de l'escorte. Ça m'emmener où ça encore? Fleur bleue. Eux par contre c'est pas des copains. Hop. Hop. Bouffe-le. Hop! Qui m'a vu? Hop! Attaque-les! Ils sont nombreux, dis donc! Mais c'est un village là qui est par là ou quoi? Ok. Bouffe-le. Parfait. Il y en a un qui est en déroute. Qui s'est enfui. Apparemment. Parfait. Ça c'est un loup. C'est un loup qui tente de me contourner. Qui fait des ronds autour de moi. Ok, on va tous les fouiller de façon. Il est vicelard ce petit loup. Je l'aime pas. Yo les mecs. Depuis ton ancien lieutenant des huttes, vous devez aider votre peuple à se réfugier en hauteur, escorter les Wenjas jusqu'à la destination, défendez-les contre les éventuelles menaces. D'accord, écoute, on y va. Ciel fâché, fleuve gros de pluie. Beaucoup Wenja noyés. Pourquoi je fais l'accent russe? D'accord. Pas de soucis. Vous venez ou... Vous venez pas? Est-ce qu'il me suit seulement? Non. Très bizarre tout ça. Rejoignez le groupe, d'accord. Voilà le groupe. Ah oui, effectivement, ça s'est bien cassé la gueule tout ça. Bonjour madame. On va y aller. Ok, normalement il y a une touche pour jeter une pierre. Alors ça devrait être suffisant. Bon, c'est pas grave. Ah, bouge pas. Ah mais non, mais t'es con. Ok, t'as du bol, toi.
T'as du bol. Bon, bon, on y va, les mecs. On y va, on continue. On récupère les plantes. Je croyais qu'on devait aller dans les hauteurs, hein, mais c'est pas grave, on descend. Hop! Tiens, bouffe! Où sont les corps? T'as besoin de te régène, toi, un petit peu. Vas-y, bouffe. Merde! Joli! Ok. Bien joué, mon ami. T'as bien mérité ta petite bouffe. Hop. On les dépece pas parce que le groupe avance, en fait. Et comme le groupe avance, on est obligé de les suivre. Hop. Ok. Vas-y, bouffe-les, bouffe-les. Bien joué. Je me sens inutile au groupe, mais c'est pas grave. Nourris-toi, t'as raison. On y va. Oh la vache, c'est sombre par là, c'est joli. Ah, voilà où est-ce qu'ils vont, en fait. Ils s'arrêtent ici. Ils vont sûrement s... Qu'est-ce que... Ouais, voilà, c'est ici. Bien ce que je disais. Ok. De rien, les mecs. De rien. De rien, de rien. C'est sympa dans le coin, quand même. Je vois des plantes vertes. Je vais aller les prendre. Roseau. Plantes vertes. Quelque chose dans l'eau. Apparemment non. Apparemment non. Saloperie de Dole. Hop, voilà. Ok, donc sur la map, où sommes-nous? Nous sommes ici. Il y a des gens à aider là, aider les Wenja, sauver le prisonnier, tuer les envahisseurs et secourir les Wenja prisonniers. Si vous êtes repéré, les otages seront tués. Difficulté facile, population, point. D'accord, bah écoutez, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus, on va continuer à s'approcher du mieux qu'on peut. Cette fois-ci, on va faire appel à notre chouette. Des dolls. Cassez-vous. Hop. On va être en train de s'approcher. Voilà. Ok. On envoie la chouette. Faut que je me rappelle des... C'est pas ici? C'est pas ici. Bon, génial, j'ai bien gaspillé ma chouette. C'est là qu'on prend la quête, en fait. Restez discret, sinon nous assurons tuer. Voilà, ok, on y va. C'est où? Tenez les prisonniers, mais c'est où? Où suis-je censé aller? Je suis où? Je suis là. Alors, j'imagine que c'est dans la zone là.
Ok, c'est ici. Je pense que c'est ici. Ok. Ok. Merde, on a un de perdu. Ok. On en a 3 sur 4. Je les ai pas trouvés, hein. C'est difficile à. C'est, je m'attendais pas à les trouver en fait aussitôt. On a tous été bouffés par mon machin, quoi. Vas-y, soigne-toi, pauvre bête. Vas-y. Nourris-toi. Tu mérites. Tu es méritant. Détaché. Détaché. Je suis désolé pour lui. Je suis désolé pour lui. Malheureusement, on l'a perdu. Je suis d'accord, il méritait pas ça. Voilà. Hop. Cueillir fleurs rouges. Il ne méritait pas, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, c'est la dure loi de la vie. Ici dans l'eau on a un truc, là c'est quoi? Une escorte, ça m'intéresse pas, on a un truc dans l'eau. On va aller choper le truc dans l'eau. La nuit tombe, ça m'ennuie. Hop. Chercher, et enfin la pierre ici, crac. Ok, parfait. Il nous faudrait un campement assez proche pour que nous puissions y passer la nuit, chers amis. Y en a-t-il un? Point de réapparition, le drop pot, y en a un ici. Bon, on va s'y déplacer Ouf, non. Voilà, on va s'y déplacer comme ça. On va tout de même allumer notre gourdin. Que nous puissions y voir des choses. Qu'est-ce que c'est? Des cerfs. Il y a des cascades dans le coin aussi, tiens non. Feuilles vertes, je prends, comme toujours. On va se dépêcher parce que ça se consume au niveau du bois. Oula. La descente est violente. Un petit peu d'ardoise. Il y a des loups dans le coin. Hop. Et nous sommes à la maison. Hop. Nous sommes à la maison. On va se reposer. Dormir jusqu'à l'aube. Et nous, on va se laisser là, les amis, pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, viriser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On peut trouver le lien dans la barrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à nouveau. N'hésitez pas à aller voir mon partenaire Gamespad.com qui m'a gracieusement offert le jeu. Je les en remercie infiniment. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo à nouveau. C'était Marcus Bellus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et on est debout, c'est le matin.